Bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour la carte du jour de ce mardi 22 janvier 2019 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce que le lâcher-prise est venu nous dire aujourd'hui, hein? Hop, alors je vais aller là et je vais prendre l'avant-dernière. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Surmonter le traumatisme, faire le lâcher-prise sur ce traumatisme, cela n'est pas facile. Je le conçois et je vous entends le dire. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez raison. Mais ce n'est pas parce que vous restez dans cet état de traumatisme que les choses changent. Donc ça, vous vous rendez bien compte. Alors, pourquoi pas laisser ce traumatisme derrière vous? Qu'est-ce que ça vous coûte? En ne faisant pas ce lâcher prise, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, psychologiquement, et vu que vous n'êtes pas bien psychologiquement, eh bien physiquement ça ne va pas non plus, puisque notre santé mentale dépend de notre santé physique dépend de notre santé mentale psychique. Donc en étant dans cette dynamique de traumatisme, eh bien vous voyez qu'il n'y a rien, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous pleurez, vous êtes dans votre coin, voilà, vous ressassez. Eh bien, pourquoi pas vous dire, bon, mais j'ai deux options. Ou je reste dans cette thématique, ou je mets cette thématique derrière moi. Alors, vous avez essayé de ne pas surmonter ce traumatisme, donc vous avez vu à quoi ça vous avance. Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que, voilà. Puisque vous avez expérimenté ça, eh bien, moi, je vous suggère d'expérimenter le lâcher-prise. Est-ce que ce n'est pas une belle idée, ça? Faites ce lâcher-prise du traumatisme que vous avez eu, que vous avez subi. Arrêtez de vous cramponner à ce traumatisme, à ressasser. Vous savez, ressasser, c'est pire que mieux. Donc, vous avez expérimenté ça, eh bien, expérimentez le lâcher-prise. Je trouve que c'est une magnifique initiative, une magnifique décision. Expérimentez le lâcher-prise. C'est magnifique. Et on se sent bien mieux. On se sent soulagé. On a ce poids parce que on a ce poids qui est enlevé en nous parce que on ne ressasse plus. On fait ce lâcher prise. On n'est plus dans le contrôle. Magnifique carte, hein, vraiment magnifique message. Eh bien voilà, la carte du jour est terminée. On se retrouve demain.
Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous embrasse tout fort et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ce que vous aimez. À demain!